Un concert pour les tout-petits, des girafes, des hérissons et des musiciens, bien sûr. Dans la grande tradition des films muets avec un pianiste qui improvise, sauf que là, tout est écrit, réfléchi et structuré. Le but du jeu, c'est de faire de la musique à l'image. De la même manière que les compositeurs vont composer sur une musique de film, etc. Sauf qu'on est un ciné-concert. Donc ça doit à la fois coller à l'image et non pas juste jouer devant l'image. Il faut que ça colle avec l'image. Et en même temps, on doit quand même assister à un spectacle. Donc on a une complicité entre nous, on se connaît bien tous les quatre. Franche avec qui je compose les spectacles, on se connaît très bien, on se trouve, on se complète énormément. Et après, le but du jeu, c'est de se faire plaisir. On est des enfants devant des films. Ce ciné-concert est une des nouveautés du violon sur la ville, l'opération animation musicale et petit concert du violon sur le sable. Une occasion pour le festival d'élargir son public. Le champ des possibles, il est ultra ouvert, parce que de toute façon, plus on est petit, plus on est réceptif, et plus on peut prendre n'importe quoi. En fait, les styles de musique, etc., ils s'en fichent complètement. Ce qui est super, parce que ça nous permet de faire de la diversité musicale, essayer d'apporter autre chose. Et nous, en tant que musiciens, de se faire plaisir à jouer plein de choses différentes. Une occasion aussi de toucher, de découvrir et de percer un petit peu le mystère du bruitage.